Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler de connaître notre force. Connaître notre force. La fois passée, nous vous avions parlé par rapport au préalable. Nous avons dit pour construire une nation, il faut s'occuper du ventre. Je m'adresse à la jeunesse de 1990. Je sais que vous n'avez pas encore touché à la corruption. Vous n'avez pas encore détourné de l'argent. Vous n'avez pas encore volé. Votre conscience est saine. Et je sais que d'ici 2040, 2030, vous allez prendre le relais. Il ne faut pas tomber dans les erreurs que nos grands frères, les générations précédentes, ont fait. Pour construire une nation, nous n'avons pas besoin d'aller acheter des armes sophistiquées, les avions de dernière génération. Parce que les avions, pour les utiliser, ce n'est pas facile. Mais nous devons d'abord nous occuper du ventre. Parce que ventre créé n'a pas d'oreille. Je vous ai dit que si vous ne vous occupez pas du ventre, il y aura d'autres vices qui vont venir. Les vols, la corruption, les détournements et les vols. Ce sont les maux du siècle. Mais en s'occupant du ventre, vous allez changer automatiquement la vie d'une nation. Parce que si vous ne vous occupez pas du ventre, il y aura des rébellions, des révoltes. Parce que quelqu'un qui a faim, il est vulnérable à tous les maux qui sont autour de lui. Même si les générations passées ont tombé dans l'erreur, d'aller acheter des armes de dernière génération, d'aller acheter des avions de chasse. L'argent que nous contribuons va acheter les armes pour encore nous détruire, diminuer la population. Mais nous, nous devons changer de tactique. Nous devons d'abord nourrir la population, développer l'intelligence, le cerveau, parce que l'homme fonctionne avec la nourriture. Vous pouvez avoir un véhicule, mais si vous n'avez pas de carburant, ça ne sert à rien ce véhicule. Vous pouvez avoir un avion, si vous n'avez pas de benzène, ça ne sert à rien, c'est de l'argent perdu. C'est la même chose si l'homme ne mange pas. C'est un potentiel qui s'en va pour rien. C'est pourquoi nous allons vous parler davantage. Donc ici, c'est l'Afrique. La fois passée, nous avons parlé sur le monde entier. Nous avons parlé sur les échanges. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, YouTube, Facebook et TikTok. Si vous ne vous êtes pas encore abonné pour voir d'autres vidéos, je vous appelle aussi à vous abonner. Donc ici, je vous parle, avoir le potentiel ne suffit pas. Le potentiel, ce n'est rien. C'est pourquoi ma devise, c'est que c'est de transformer le potentiel touristique en argent. Il faut être capable de transformer le potentiel en argent. L'Afrique a beaucoup de potentiel. Nous avons les minerais, les eaux, les terres arables, les calcaires, tout ce que le monde veut. Mais nous ne sommes pas capables nous-mêmes de transformer ce potentiel à notre avantage. Parce que quand je vous ai parlé sur les échanges, je vous ai dit que le monde se pose des questions. Où trouver la matière première? Où trouver la main-d'œuvre? Où trouver la matière première
et où trouver la main-d'œuvre. Et en Afrique, nous avons la matière première, nous avons la main-d'œuvre. Alors, avoir le potentiel ne suffit pas. C'est savoir transformer ce potentiel en argent. Je vais vous donner l'exemple. Le pétrole en RDC a été découvert en 1926 au niveau de Kilomoto. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2024, bientôt 2026, nous n'avons jamais extrait même un baril pour transformer ce pétrole brut en produit fini. Nous avons le gaz méthane au lac Kivu. C'est découvert depuis l'époque coloniale, mais nous ne savons pas extraire ce pétrole, ce gaz en produit fini. Nous, les Congolais, nous avons aussi beaucoup de choses. Nous avons du lithium, mais nous ne savons pas comment. Nous transformer cela en produit fini, en batterie chargeable. Ce n'est pas ça le problème, mais ça vient avec le temps. Pour transformer le potentiel que vous avez besoin de quatre choses: le travail, l'homme, la nature, le capital. Les moyens, l'argent. La plus grande difficulté que nous avons, c'est au niveau des moyens, c'est l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Pour transformer, vous avez besoin de l'argent. C'est pourquoi, après l'indépendance, quand nous avions obtenu l'indépendance politique, nous voulions faire des routes, nous voulions faire des écoles et faire de l'électricité, des barrages, des adductions d'eau. Nous nous sommes butés au problème d'argent. Nous n'avons pas aussi de l'intelligence pour transformer les matières premières en produits finis. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons connaître notre faiblesse, développer nos faiblesses, nous devons développer nos forces au lieu de voir nos faiblesses. C'est pourquoi nous avons besoin des autres personnes. Comme je vous ai dit, l'iPhone 16 n'est pas fabriqué par une seule personne, un seul pays, mais c'est beaucoup de gens. C'est pourquoi je vous appelle à ne pas vous concentrer sur vous-même, mais à s'ouvrir aux autres pour être capable de transformer le potentiel en argent. C'est très important. L'homme, nous avons le travail, la nature, l'argent aussi est, mais nous devons nous unir pour voir comment nous pouvons les transformer en notre vie. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.